Le Mega Rex à Agno. Cinéma, bowling, arcade, flipper. Près de 30 flippers en version LE. Ladies and gentlemen, are you ready? Deuxième ville du Bas-Rhin avec plus de 35 000 habitants, Agno est une commune située le plus au nord de l'Alsace. Et aujourd'hui, j'ai fait le déplacement avec un de mes abonnés et amis Guillaume pour rencontrer Philippe Vernert, propriétaire du complexe de loisirs Megarex à Agno. L'histoire d'un cinéma indépendant tient souvent à une histoire de famille. À Agno, Philippe Vernert gère le Megarex avec sa sœur. Avant eux, leurs parents étaient déjà dans le monde du cinéma, leurs grands-parents aussi. Ils tenaient à l'époque le Rex, puis le Victoria, puis l'Odéon, au centre-ville d'Agno. Pour pouvoir rivaliser avec les structures des grands groupes, ils se sont déplacés à l'extérieur de la ville en 1999, sur la zone industrielle du Tobenhof, afin d'en augmenter la surface. Le Megarex a alors pu proposer plus de salles et surtout étendre son attractivité avec des activités de loisirs complémentaires au cinéma. Aujourd'hui, le Megarex, c'est un cinéma, un bowling, une salle de jeu avec près de 30 flippers récents en édition limitée, des bornes d'arcade récentes, mais aussi des billards, et des salles où sont diffusés les matchs de football de Racing Club de Strasbourg et de la Ligue des Champions. 2020, une année noire pour le Megarex avec l'arrivée du Covid et un important incendie. Le 8 octobre 2020, un feu s'est déclaré dans la salle numéro 8 du cinéma à 8h15. Une salle de 150 mètres carrés totalement détruite par les flammes. C'est au niveau des fauteuils que l'incendie a débuté, avant de se propager rapidement. Les vitres qui séparaient la cabine de projection de la salle ont explosé. Tout l'équipement audio et vidéo a été détruit. Une soixantaine de pompiers des casernes de Agno, Brumath et Beachviller sont immédiatement intervenus, ainsi qu'une dizaine de policiers. Deux échelles pivotantes automatiques avaient été déployées. À 10h, l'incendie était circonscrit. Trois personnes qui faisaient le ménage ont été évacuées, il n'y a pas eu de blessés. L'origine du sinistre demeure toujours inexpliquée. L'incendie n'a touché qu'une seule salle, mais les dégâts ont été importants parce que les fumées et les cendres se sont infiltrées partout, notamment dans les cabines de projection qui ont été complètement ravagées. Il a fallu tout refaire. Le sinistre s'élève à plus de 5 millions d'euros et nécessitera un an de travaux. Par chance, les flippers ont été épargnés des flammes et seule une épaisse couche de suie viendra recouvrir les machines. Le Megarex de Agno comptait 10 salles avant l'incendie et faisait 340 000 entrées par an. Le Megarex a pu rouvrir le 13 octobre 2021 après un an de fermeture avec 8 salles opérationnelles sur les 10, le bowling et la salle de jeu avec près de 30 flippers, tous en édition limitée. Le Megarex est ouvert du dimanche au jeudi de 14h à minuit, les vendredis et samedis de 14h à 1h30. Tarif de la salle de jeu 20€ les 23 jetons, un jeton égale une partie ou deux jetons égale 3 parties. Accès possible en bus depuis la gare d'Agno. Il faut emprunter la ligne numéro 1. Cette ligne circule en semaine du lundi au samedi, en horaire journée et également les vendredis soirs et samedi soir. Attention, les dimanches et jours fériés, il n'y a pas de bus. Arrêt conseillé en horaire journée, Tobenhof Commerce. Les vendredis soirs et samedis soirs, il y a un bus toutes les 40 minutes de 22h40 à minuit 40. Arrêt conseillé, Tobenhof Loisirs. Lorsque vous montez dans le bus, vous annoncez au conducteur l'arrêt rythmo auquel vous souhaitez descendre. Renseignez-vous sur le site rythmo.fr car ces informations peuvent changer à tout moment. Attention, aucun bus les dimanches et jours fériés. Il y a également possibilité d'y aller à pied pour les marcheurs ou les plus courageux. Le Megarex est à 5 km de la gare d'Agno. Il suffit de traverser le centre-ville et de se diriger vers la zone du Tobenhof en empruntant le sentier de randonnée qui est un chemin de terre aménagé puis bitumé, avec des panneaux indicateurs.
On peut aller boire. Yes. Ah, c'est un limited. Ça, je m'y intéressais parce que déjà il y avait déjà des critiques sur le film. Et c'était avant mon site. Ça, c'est un reroll en plus d'un coup. Ça, c'est vu après. Ça a été quoi?
Fais-le à la main. Prends-le à la main. Je vais être obligé. T'emmerde pas, tu prends la main. Pas poussé, moi. Vous voyez ? Ouais, on va dire que ça y est. Tu peux commencer ? Ouais, ouais, vas-y, ça fait le mec. Tu l'as bloqué. Ça c'est le petit protecteur, ça te bloque le vide. Ouais, il va te la redonner là. Pas de chance. C'est quelque chose. Ça, je te laisse. T'es sûr que c'est pas toi ? D'ailleurs, deux. Tu peux la. Tu mets dans le scoop. Dans le scoop et c'est bon. Ouais, bah, ah non, la même chose. Mets-toi sur le côté. Non, bah, alors, il suffit d'attendre. Non, non, non. C'est le...